Yo les gens, hey, on s'approche de la fin de l'année. Bon, pour ceux qui n'auraient pas encore compris le délire, je me suis mis à la peinture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-unes de mes dernières toiles. Je m'excuse par avance pour le son. Ça va être compliqué d'avoir un meilleur son que ça, c'est le son du téléphone avec lequel je filme. Mais de toute façon, c'est surtout histoire de vous montrer les toiles et de vous en parler un petit peu vite fait, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire. Je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Pour ceux qui se poseraient la question, les toiles sont à vendre, bien sûr. Je ne vais pas donner le prix ici pour la simple raison que j'ai la flemme d'avoir des retours sur des gens qui me disent que soit c'est trop cher, soit c'est pas assez cher. C'est le prix, donc j'estime que tu as le droit de me faire un retour sur le prix de la toile si jamais tu veux l'acheter. Donc si tu veux l'acheter, tu me le dis et je te donne le prix de la toile. Le prix dépend surtout de la taille de la toile en fait. Je vais donc vous montrer quelques-unes de mes dernières toiles. Et à la fin de la vidéo, il y aura un freestyle avec des photos des toiles. Et voilà, let's go. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Dimension, au pluriel. Celle-là, elle est cool parce que c'est pas sur de la toile, c'est sur du bois. Elle s'appelle Vitro, V-I-T-R-O. Celle-là, elle s'appelle Nucleus. Wesh Trip a leur donner des noms aussi. Celle-là, elle s'appelle Constellation. Au pluriel. Celle-là, c'est celle qui est galère à montrer. C'est un quadriptyque. Il s'appelle Imago. Ouais, j'en profite pour faire une parenthèse. Je les fais pas pour les vendre. C'est comme le rap, je fais ça parce que j'aime le faire. Après, s'il y a moyen de faire des sous avec, c'est encore mieux. Ça, c'est le top. Vivre de ce que t'aimes faire, tu vois. Mais je les fais parce que j'ai besoin de les faire, en fait. Bref, on s'en fout. Celle-là, elle s'appelle Agora. Celle-là, elle s'appelle Python. Et celle-là, je crois que je l'ai jamais montrée non plus. Elle s'appelle Evolution. Celle-là, elle s'appelle Crocs. K-R-O-X. Celle-là, elle s'appelle Vibration. Encore une petite parenthèse, juste pour dire que si tu t'abonnes à mon Instagram, bah tu verras des belles photos d'étoiles normalement. C'est plus là que je poste mes toiles en fait. Celle-là, elle s'appelle Cryogenia. Celle-là, elle s'appelle Maceo Skywalker. Comme Luc, mais pas avec le même prénom quoi. Bon voilà, mesdames et messieurs, un petit aperçu de mes dernières toiles. J'espère que ça vous plaira. Et maintenant, je vous envoie un petit freestyle que j'ai enregistré, mixé, tout ça. Avec des photos d'étoiles un peu plus jolies que la vidéo que vous venez de voir là. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Exprimez-vous. Peace. Laisse-moi poser mes couleurs. Laisse-moi forger un univers et des planètes. Laisse-moi forger un univers et des planètes. Laisse-moi causer de mes douleurs. Laisse-moi poser mes couleurs. Laisse-moi doser les couleurs. Je veux plus m'exploser la tête. Sur ma tête, je commence à me dire demain ça ira peut-être. Laisse-moi poser mes couleurs. Laisse-moi causer de mes douleurs. Je vais m'exposer mes couleurs. D'un peuple décimé, ou les lèvres d'une femme dans une robe noire, la chaleur d'un au revoir, comme choisir le sang pour dessiner. Mais le chaud, le froid se ressemblent, pour ça que le rouge ne va pas semble. Donc pas le choix de les assembler, l'hiver au mois d'août et l'été en décembre. Le soleil tout le temps comme un citron acide, avant la pluie, le froid et les cendres. Puis le renouveau, car la vie n'est que cycle, en tout cas il me semble. J'essaie d'équilibrer pour voir les grands, les moyens et les petits vibrer. Le stylo en flamme et le pinceau givré. J'ai jamais la flemme et je compte plus que j'ai livré. Puis à la fin, le noir et le blanc débarquent, comme l'histoire du ciné en reverse. Comme si enfin je trouvais mes marques, c'est toujours plus de moi que je déverse.
On pourrait croire que c'est facile, on pourrait croire que je me disperse. Mais je travaille la transparence en bossant mes glaces et je reste pas assis dans ma tristesse. Laisse-moi poser mes couleurs.